Tu t'attends à combien? Quoi en rang? Je m'attends. J'aimerais bien un top 20. J'aimerais bien. Allez, j'ai lancé hein, par coup pour le coup. C'est parti. Personne qui me rejoint. Je me sens très seul. Tant pis, je n'ai pas d'amis. Hop. Hop là. Tant pis, les gars. C'est pas grave. C'est pas grave, les gars. Peu m'importe. Finalement. Tant que vous êtes là, c'est ce qui compte, non? Je sais pas, vous me dites. Y a personne qui veut venir. C'est parce que vous n'êtes pas assez nombreux. Si vous étiez 10 000, je pense que tout le monde se battrait pour venir streamer. Je pense, hein, je sais pas. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux le lien du stream. RDU. On est contre Radu. Néolotibu. Mais c'est toi qui es beau, Kierzo, arrête. Tremblez face à la puissance des elfes. En vrai, c'est une bonne carte, Maître Chien Show, mais. En fait, s'il tue le Diablosaur, c'est bien. J'aime bien tout garder. S'il tue le Diablosaur, c'est bien en fait. S'il tue l'œuf de Diablosaur, pardon. L'autre, tu es viride, c'est vrai. Hop. Incroyable. Allons-y, le petit Devilzor, Diablosaur, pardon, qui est pioché. Devilzor en anglais, c'est pour ça que je l'appelle Devilzor en fait. Ça, c'est œuf de Diablosaur, ça, c'est Diablosaur chargé. Mais en anglais, c'est Devilzor. Alors, je vais faire ça, je pense. Sur ce tour, le Hero Power ne sert pas à grand chose, j'ai l'impression. Vu qu'au prochain tour, je fais ça, quasiment sûr. Il pièce un truc. Oh le bâtard! Oh, c'est relou de ouf! Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. On va jouer ça, il va probablement le trade. S'il le trade pas, il est dans la merde. S'il le trade, bon bah tant mieux pour lui. Et après, moi j'aurai ça. J'ai bien fait de garder le maître chien chaud. C'est bizarre parce qu'il a gardé quand même 3 cartes en main de départ. Donc je trouve ça bizarre qu'il ait. Qu'il ait pas de. Oh, what? Il le laisse en vie. Pourquoi il l'a laissé en vie? Bizarre qu'il l'ait laissé en vie. Après, c'est peut-être pour pas que je puisse trade là-dedans. Ok. Je prends mes 3. Oh, ça c'est cheaté ça. Je sais pas si c'était une bonne idée. What? Direct? Oh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance pour lui, ça. Hein. What? Radu, il est chaud là. Il est chaud, Radu, le joueur tchèque, bien entendu. C'est la République tchèque, hein, Radu. Je me souviens plus. Peut-être je... Roumanie, je crois. Roumanie, pardon. Roumanie, Radu, my bad. Pas SS7 en plus de ça, ou Von Cleef, ça serait chiant quand même. Von Cleef, il est quoi, 6-6? Oh, rempart du goudron, ok. Eh bien, écoutez, moi je pourrais avoir un petit Grizzly, pourquoi pas. Il a combien, 4 cartes dans la main? J'aime bien Grizzly, ouais. Ouais, let's go. J'aime bien Grizzly. Je fais quoi? Je fais Grizzly, je trade là, c'est sûr. Et après, je pense que je vais full face. Ça va face, c'est sûr. En vrai, je pense aller full face. Hein. Lui, il prend le trade sur les deux. Après, il peut faire un tour 1 plus une ville pin s'il a vraiment beaucoup de chance. Mais dans tous les cas, je sais pas si ça vaut le coup de trade. Ok. Non, donc ça aurait rien servi de trade. Après, il peut value trade là-dedans, mais il prend beaucoup de patates. Il peut, hein, il peut value trade là-dedans, hein. C'est pas forcément stupide, c'est juste qu'il va prendre ses patates quoi. Il va falloir les assumer, c'est possible qu'il ait un SI7 dans la main. Après moi ce serait bien d'avoir genre un truc à 3 mana. Ça serait chouette, ou frappe latérale, ça peut être bien. Un truc à 3 mana, parfait. Donc je commence par ça. Je vois ce que je récupère, Katrina serait le feu. Pas de Katrina, Limon Glouton ça peut être bien. Sinon c'est Bombe Araignée, c'est stylé. Bombe Araignée c'est stylé, après œuf je pense c'est le mieux parce qu'il est buffé quoi. Ensuite je fais ça, je trade ça ici. Et je colle 10 tout de même. 10 c'est gigantesque. 10 c'est gigantesque les gars. Allons-y. Allons-y, allons-y. 42 quand je pensais qu'on aurait pu être 24. C'est vrai si j'avais gagné. Enfin si j'avais pas eu la déco, là ça aurait été assez ouf. Allons-y messieurs dames. Attends, j'ai l'étal ou pas? 5, 10, 13. C'est juste ça. Hein. C'est juste ça, j'ai le sentiment. En vrai, Grizzly F, c'est pas dégueulasse parce que je peux trade avec. Là, je setup l'étal sur Hero Power. Donc, à moins qu'il ait vraiment l'étal sur ce tour, sachant qu'il peut avoir Leeroy Shadow Step qui est entre 12. Enfin, il peut jamais avoir l'étal. Par contre, il peut avoir un clean de board. Mais il est mort sur mon Hero Power, donc ça change pas grand chose en vrai. La 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 la
Miss Lethal, pourquoi Miss Lethal? Diablozor il a pas charge hein. Il a, enfin si il a charge mais il peut pas taper face. Donc ça ne marche pas, il n'y a pas Miss Lethal. Eh, top 34, on est solide ou on est pas solide là les gars? Hop. Ok, let's go. Chat en 1000. Ah, HS est mort, si peu de viewers. Non, c'est, le stream était offline pendant 45 minutes. Hein. J'aurais juste dû reprendre, malheureusement. C'est dommage, mais. C'est comme ça. C'est comme ça, les potos. Ça arrive de temps en temps. Ça arrive des crashs. On a crash pendant super longtemps. On est contre le top 21 légende, messieurs, dames. Top 21 légende en face. Alors, c'est très bizarre comme situation parce que si c'est un aggro, j'aime bien garder ça, mais sinon j'aime bien l'enlever. Mais si c'est un aggro, c'est vraiment chouette ça. Peut-être j'enlève Maître Chien Chaud. Mais après. En fait, je me dis, c'est souvent pistache. Ouais, peut-être je le garde en vrai, c'est quand même une bonne carte. Hein. Après, si j'ai KL7 ou quoi, c'est meilleur, mais. Si j'ai KL7 ou Diablozor, c'est meilleur. Peut-être je l'enlève. Peut-être j'enlève ça et ça en vrai, je vais vraiment chercher le Diablozor. Allez, vas-y, c'est une option. J'aime bien aller vraiment chercher le Diablozor, absolument. Ça peut être vraiment très fort de l'avoir. Ok, je l'ai pas, mais j'ai un play dead. Pourquoi pas. Faut voir si c'est un aggro ou pas. Lui, il a gardé deux cartes. Faut voir si c'est un aggro ou un contrôle en vrai. C'est bien qu'il ait pas de tour 1. Pas un tour 1 chiant. Seuls les vrais restent. Bah là, il reste. Bah après, ça remonte là. Franchement, là, j'étais inquiet qu'il y ait personne. On a commencé, on était quoi? On était 50 ou 100. Et là, vous arrivez tous, donc ça fait plaisir. Merci les potes. J'espère que le stream vous plaira. Enfin, vous plaît, vous a plu aussi, parce que ça fait quand même de nombreuses heures déjà qu'on stream. Mais frappe latérale, c'est un aggro, c'est vraiment fort. Cube, c'est vraiment chouette aussi. Ah, bah Torlk. T'as mis 20 minutes quand même à arriver. Je t'ai attendu longtemps. Hein. On était en train de terminer la préparation parce qu'ils partent avec la voiture à la mairie là. Je t'en prie. Voilà. Parce qu'il y a l'install qui commence parce que demain on retourne. Je sais pas si leur mec frappe. Ah, t'as gagné une game depuis. Ouais, j'ai gagné une game, ouais. Nice. Contre RDU. RDU? Ouais. RDU. Frappe, hein. Ça, c'est bon. Je sais pas si c'est un aggro pour l'instant. Je sais pas si c'est un aggro, ça le problème. Mais si c'est un aggro, c'est mieux ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Après, il y a beaucoup de contrôle, mais prends frappe, je pense. Parce que t'as une bonne main contre contrôle déjà, en fait. Ouais, vite fait, hein. Bah, t'as l'œuf et le mort. C'est ok, en vrai. Mais c'est vrai que Cube aurait été insane, hein. Mais c'est. Bon, skipping c'est normal, peu importe ce qu'il joue, j'ai envie de dire. C'est le feu ça. C'est le meilleur top deck, je pense. Ouais, c'est bien, bien. Et oui, re à tous. Re à tous, excusez-nous pour la coupure internet. C'est la première fois que j'ai une coupure internet aussi longue. Sans DDoS, évidemment, sans compter le DDoS, depuis 2004, je dirais. Non, mais les gens étaient là sur le chat, il y en a certains qui étaient restés, par exemple, ouais. MNP87 ouais. Qu'on salue qui était là, voilà, il y en avait pas mal qui étaient restés sur le chat. Et quand j'ai repris, on était à 50 ou 80 viewers, et puis là, les gens sont en train d'arriver. Oh là là, il y en a qui sont restés coûte que coûte, quoi, je veux dire, voilà, c'est bah, beau, ça. Je vous remercie en tout cas d'être resté, ça fait plaisir en espérant que le stream vous plaise. Et quoi de neuf, bah, le Wello va passer top 1 avant 20h, là, tranquillement. Ça, c'est au moins top 20, là, le crash, malheureusement, et nous aura ralenti un petit peu. Voilà, et on vous donnera rendez-vous demain si vous voulez faire des petits tournois Hearthstone si vous êtes francilien à la mairie du Kremlin Bicêtre à partir de midi hein, pour venir nous rencontrer un petit peu et sur ma victoire au tournoi Inch'Allah. La fameuse victoire Arc Cornetex c'est vraiment ouf. Arc Serre l'arc. Ah, c'est bien ça. Tu frappes la 3-1 du coup? Je pense hein, mais en vrai hein. Ouais, je me dis au pire je vais juste cube lui, mais je sais toujours pas ce qu'il joue hein. Là ça peut encore être les deux, mais c'est... En tout cas, si c'est un aggro, il est mou en tout cas. Si c'est un aggro, c'est une bonne nouvelle. Et ouais. Non, il n'y a pas besoin de s'inscrire pour demain, vous venez, c'est entrée libre. Vous avez juste à venir et c'est inscription sur place à partir de midi. Et vous pouvez venir en fait n'importe quand entre midi et 19h, voilà. On aura un goodies pour chaque personne qui vient, vous verrez un petit peu. Enfin, si Yoni ne vole pas tout, hein, parce qu'il est très fan de toi, si t'aimes les goodies toi. Ah bon, j'adore les goodies. Ouais, je crois qu'ils font les goodies. T'as laissé la porte ouverte, je crois. Ouais, il froid, je vais fermer. Bah, il y a Lily. Ah, Anaïs. Elle entend tout ce qu'on dit quoi. Trop fort je disais. Trop fort. Fait l'œuf, c'est un contrôle du coup vu qu'il joue ça je pense. Ouais. C'est quoi la bracket? Alors pour suivre le bracket, tu fais un point d'exclamation bracket et il y a le bracket tout simplement sur le site. Tout à fait. Qui te permettra de voir où ça en est, mais pour l'instant on va dire que les favoris sont toujours en lice dans le tournoi. Voilà. Alors,
Oh bah il vient de se faire ça. Ah on se fait plaisir. T'as des sacrés activateurs dans la main quoi. Ouais mais... Ça se met pas très bien avec l'œuf quoi. Ça c'est bien ça pour le coup. C'est quoi, c'est ça, ça? Tu veux pistache d'abord? Ouais vas-y. Vas-y go. Fait traînage je pense. Oh merde. Ah y'a le crush avec fuck. Dommage. Du coup ça ramène Plus des grizzly. Plus des grizzly ouais. Ah c'est pas grave. Moi je suis sorti jouer sur mon téléphone. Il est sorti jouer sur son téléphone, en fait c'était revenu. Voilà, le problème de cause ce soir, on est désolé. J'ai eu le temps de jouer un ou deux tours, ça allait, tu vois. Non, mais... en vrai, ça se gagne. Il y a le DK par contre, fait chier. Ouais, c'est chiant de ouf. Attends, comment on fait? Attends. Du coup, on est toujours dans la game, mais c'est un peu la merde. En vrai, peut-être en bourg, non? J'envoie Katrina là et j'ai repower bourg. Sinon, on peut. En fait, on peut pas jouer que lui. Du coup, on peut jouer que ça. C'est pas fou. On va garder pour Andasta, je pense. Tu mets juste Katrina et tu bourres. C'est ça. Alors, elle ramène King Crush. Non, mais King Crush est parti normalement, non? King Crush est parti. Ouais, c'est juste que c'est bugué, mais King Crush est dégagé. Et ça ramène un Grizzly par contre. Je sais plus. Ouais, King Crush est parti. Ouais, il nous reste que un Grizzly en bête dans le deck, il me semble. Et Andasta peut ramener Diablozor pour charger un max. Et je crois qu'on a déjà passé un cube aussi. Putain, c'est chaud, ça nous met tellement au fond. Oh le bâtard, mais non. Je sais plus, t'as un cube qui est passé sur un 9, c'est sûr ça. Il en reste un du coup. En fait, il peut pas faire d'AOE. Vas-y, je reste après. J'irai dire à Kibi que c'est revenu parce que. Je sais pas, il prépare un mauvais tour là. Ok, bah du coup, tu t'es obligé de faire. Andasta. Andasta dans la 3-6. Hein. C'est ça. Et Inch'Allah. Inch'Allah, c'est parti. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'il peut pas vraiment faire d'AO, donc tu vas face. Hein. Il peut pas faire d'AO, tu penses? Ah bah, s'il fait une AO, tu peux bien en tout cas sur les. Il peut faire double fureur du dragon. Mais bon, s'il a double fureur du dragon, tu peux pas jouer autour. Que tu trahis le chat ou pas, de toute façon. Ok, la semaine rediff, on est juste de retour, on a eu des petits problèmes de. Enfin, des gros problèmes de net plutôt aujourd'hui. Ouais. Heureusement que le tournoi se joue pas au loco demain. Ouais. Non, mais en vrai, problème sur la ligne. Ah, je suis au bout de ma vie, moi. Attention, non, on va la gagner. En vrai, t'es bien là! Ouais, tu vois. Il est top 21 légende, hein. Au passage on va pas s'en rendre parce que ça a crash mais... Je te garantis que tu l'as gagné. Ok vas-y. Je prends tous les paris. J'y crois, mais après celle-là moi je relance pas, hein. Parce que je relance pas sur ce PC en tout cas. Je sais pas si ça vaut le coup parce que là c'est pour que ça recrache. En vrai je vais aller voir s'ils ont réglé le problème après. Il doit avoir, je crois qu'il a le sort à 2 le sort à 5 qui tape 2 partout et ensuite il a le sort à... Non mais s'il a 2 AO à 5 c'est la merde. Celui qui tape à 100, le fureur de dragon et celui qui tape 2 partout. Vague explose. C'est ça. Ouais. Quoi, là, tout comme ça. Non, mais en vrai, il va taper pour mettre le Grizzly. Et je récupère que si la double AO à 5. Sinon, t'es ultra bien, Lowello. Ok, donc la vague explose comme prévu. Et en plus de ça, le sort à 5. Aïe. Oh l'enculé, quoi. Je vais faire double pister, j'essaie de récupérer. Oh l'enculé! J'essaie de récupérer full grizzly et de la value grizzly, je pense que c'est là où. Ah ouais. Faut le cube, hein. T'as de grandes chances de l'avoir. Bah j'ai quasiment full chance de l'avoir parce que c'est quasiment impossible de pas l'avoir là. Ouais, mais tu pourras pas le jouer. Bah là, du coup, je peux plus, ouais, mais c'était quasiment impossible de pas l'avoir à cette carte. What? Ok, bon, c'est un œuf. Ouais. Œuf et Targus, du coup. Parce que tu sais qu'il y a pas le flame strike dans la main. Enfin, en tout cas, pas le premier en tout cas. Je sais plus si on a déjà joué un. Il voulait trop fort pour jouer sans handicap. Vas-y. Je fais juste ça. Hein. Vas-y, ça joue mieux autour de la OE. Alors il nous reste un cube. Le problème c'est que. Ça, ouais. Aïe. Et top 21 enfin s'il a besoin d'essayer de nous attaquer la collection pour nous battre. Hein. Du tout. C'est infernal cette saison pour moi entre le stream hacking et le dédosing. Non, c'est pas du dédos. C'est pas du dédos, c'est entre le stream hacking et les décos. Globalement, ça se passe pas bien. Tant que quelqu'un comparé à avant-hier soir. Mais non, mais on était chaud, mais on a pris une heure de déco d'internet dans la gueule. Donc ça nous a refroidi. Ça nous a carrément refroidi. Ouais, c'est sûr que ça a trop refroidi, ouais. Ah, ça a bien refroidi, hein. Putain. En plus, il gère le truc. Il nous reste le DK, mais bon. Hein. Ah, comment ça. Ah, on a le DK. On le fait quand même. Ah, ouais, du DK. Hein. Il repower du coup. Fais repower. Pourquoi okay. Bah, tu gagnes d'autres dégâts. Hein. Tu vas pas jouer une bêta 2 de toute façon, donc. Ouais, mais il va remonter à 30 quoi qu'il arrive. Bon, fais repower, ça coûte rien. On sait jamais comment peut se passer la game. En fait, je suis en train de réfléchir à faire trade DK Aeropower Argus là. Ah oui, donc ça c'est autre chose du coup, oui. Ouais, comme ça tu laisses rien, mais est-ce que tu lui donnes pas un bon ping du coup en faisant ça? Il est où le bon ping? Sur l'œuf, mais du coup il a pas spécialement de ping l'œuf donc. Ouais. Enfin, si tu peux ping l'œuf du coup, voilà. C'est ça. Donc, à voir.
Mais je pense que générer une bête comme une 13, plus beaucoup de tours avant la fatigue, c'est important. Ah ouais, alors comme tu le sens, je pense qu'il faut essayer de générer une grosse bête camouflage pour la cube derrière. Après c'est sûr que gérer l'Emdos ça fait plaisir aussi. Hein. La chasse éternelle a commencé. Je pense que le héros power il sert juste à rien dans le sens où il va remonter à 30. Mais quel intérêt de battre en tout cas, il va remonter à 30 quoi qu'il arrive. Oui mais tu peux faire le héros power. Une petite bête non? Bah je pense pas, mais vas-y fais la bête de toute façon. Oh Argus comme tu fais ça. Hein. Plutôt Argus dans ce cas-là, pour comme tu veux. Mais Argus dans ce cas-là, ça me. Tu donnes le ping sur la. Sur la... En fait, ça me donne la ruée pour le prochain tour. Vas-y. Comme tu le sais. En tout cas, oui, si tu faisais. Dans tous les cas, si tu faisais l'Hero Power, il fallait mieux faire la flèche avant, même si tu penses qu'il va monter à 30. Oh. Mais ouais, ok. Oh le bâtard. Aïe. Tu vois, il va toujours monter à 30 en fait, donc le ping ne sert juste à rien, je pense. Ça coûtait rien de le faire quand même, dans le doute. Hein. Putain, ça me coûte trop cher. Hein. Hydre. Ok. Ça. Ouais. Grave. Hydre Kurikai. Elle a combien d'attaques du coup elle a. Ah, j'ai pas eu que les 7, il est dans le bottom 5. T'as pas eu que les 7 et surtout le DK a mis beaucoup de temps à arriver quoi. Il te reste un cube. Non, j'ai perdu, je pense. Putain. Ah, c'est dommage. En vrai, c'est pas encore perdu, mais. Ouais, ça pue quand même. Ça ouais, c'est dommage, hein, j'avais vraiment. J'étais tellement bien. Et en plus, surtout ce bâtard, s'il récupère pas la double AOE quoi. S'il avait juste pas eu la double AOE, il avait perdu. Parce qu'il y a que 3 AOE à 5 dans son ego final quoi. C'est ça, et c'était son seul espoir de gagner, c'était d'avoir les deux en même temps. C'est ça. Ouais, pas de chance. T'as pas eu de chat, j'avoue. Et le petit ping. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire une bonne hydre Elle est rancuse à l'attaque quoi. Elle est bien quand tu lui mets Frenzy Feroz, mais. Non, ça sent pas bon, les amis, non. Ça sent pas bon. Ils sont pas méga bons, ouais, mais c'est toujours gagnable, je pense. C'est gagnable. Combien ça se tape 3. Ça se tape 3. Aïe. T'as l'Argus, donc ça peut taper à 4 du coup. Ça t'apporte pas vraiment. Si, je peux trade là et je peux taper 4 là. Mais je génère pas de bête quoi. Tu génères pas de bête et ça va lui donner un ping quoi. Potentiellement. Attends. Je sens. Hein. Tape dedans. Targus du coup. Ouais, c'est dommage de pas générer de bête puisqu'on arrive à la fatigue. En même temps, t'as pas trop le choix ici, j'imagine. Tu peux tuer la 3. Tu peux taper avec la 6-6. Tu peux tuer la 3-6. C'est pour ça que ça se mettait bien, du coup tu génères. C'est pour ça que c'est cool, c'est que tu génères pas de ping quoi entre guillemets. Le problème c'est qu'il lui reste deux flame strike dans le deck encore, il n'a pas joué. Et il aurait eu les flame strike au lieu des sorts à 5 qu'il avait perdu à 100%. Ouais, parce que bien, il a vraiment tous les meilleurs trucs. Moi autant j'ai pioché tout mon deck, autant lui. En fait il te reste un cube et un activateur, je crois, non? Tu un activateur. Tu peux trail, mais en général toujours pas de bête, mais bon, vas-y fais-le. Tu le as. Putain quoi. D'avoir des bêtes à 8 à tous les tours. J'ai un cube, si j'arrive à cube une bête à 8, il y a moyen de faire un gros truc. Hein, genre d'avoir un méga board de ouf, ingérable. Il y a juste les talents. 7, cube et il n'y a plus d'activateur en fait. C'est la merde. C'est la hesse. Quel est 7 cube et. Je sais plus s'il me reste un Terror Scale, je crois pas, ou un Play Dead. Non, pas de Play Dead. Ok. C'était une bombe. Donc c'était une bombe. Tu peux magnétiser potentiellement. Amalgame 8. Alors attends, si tu prends Amalgame Faucon Dragon, tu peux magnétiser la bombe sur Zidiax et tu peux trade le Baku avec le. Attends, mais non, Zidiax a plus le bouclier d'hiver, non? Il a plus, non, mais le but c'est juste. Non, c'est juste en trade, ça meurt après. Ouais, je suis d'accord. Tu prends le truc à 8 alors, hein. Pas de choix. Tu prends le truc à 8. Ok. Au moins, théoriquement, il peut pas faire de ping ici, on va dire. Et il faudrait que t'arrives à avoir une charge que tu pourrais cube peut-être. C'est ça qu'il faut faire pour gagner. Okay. Du coup, il peut faire un ping. Du coup, ça se fait trop bien. Y a pas un truc qui m'a pas quoi. Ouais, bah t'as raté 2 tours dans la partie quoi. T'as eu encore une bombe, mais du coup, c'est quelle est la dernière carte du deck? Ouais, moins qu'on l'avait. Tu l'avais pas dégagé sur un pistage peut-être? Oh, je sais pas, je t'avoue, la déco là, ça m'a fait un peu perdre. Urikai.
Ah, c'est cube la dernière case, quoi. En fait. Ça peut être quel gold d'acier, tu veux prendre? Gold d'acier. 4, 8. Ouais, ça fait 8. Ça fait 8, mais bon, il va pouvoir ping son Baku à la limite, hein. C'est ce qu'il va faire, ça. Bon. Je peux faire. Bah, je sais pas si c'est cube ou machin, je vais faire ça. Je sais pas si c'est cube ou l'autre. On cherche pas l'animateur pendant les coupures internet. Internet il peut faire trade ping. Oh là là, ça fait mal. Non, mais il y avait rien à faire. Quand ça veut pas, ça veut pas. Après, les top 21, je vais pas perdre trop de rang normalement. Non, ça va. C'est plus dommage parce que t'étais trop bien dans la game, quoi. Ouais. C'est con, quoi. Merci, Bongo Kid, pour les 200 bits. Merci. 200 bits. Merci, merci. Ouais, bah, je génère encore un LM de haut. Putain. Et en plus, il est trop loin de la fatigue, lui. Il est vraiment loin de la fatigue. Moi, je fais double comme ça. Fais ta bête, hein. Quelle est cette dernière carte du deck, wesh? Terreur. Oh, si tu charges encore, j'aurais dit bon. Vas-y, prends le tigre, hein. Tu le poses ou non? Tu essayes de clear le board. Je pense que je fais double boom sur ce tour. Par contre, tu les magnifiques. Merde! Bah, c'est pas grave, ça change rien en fait. Ça change absolument rien. Parce que ça s'active deux fois quand même. C'est que s'il a un silence. Mais normalement, ouais. C'est pas en ça que tu toutes les cartes dans notre deck, elles ont plus 1 là, c'est pas grave. Oui, c'est bien, c'est bien. Très bon qu'elle est 7. Non, en vrai, ce qu'il a fait, c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est juste que. Ça peut lui permettre de trade la 5-5 et ça peut lui permettre de faire un bon ping, quoi, du coup. Ouais. Bah, attention, il a toujours un bon ping. Oui. Non mais franchement, regarde, là tu tues. La 3-6. Il peut pas faire le pick, en vrai ça va. En vrai, c'est quasiment pareil que la 3-6. Ouais, du coup. Ça, exactement. Et du coup, là tu poses Terreur Dactyl. Regarde, tu poses Terreur Dactyl et t'arrives à faire un gros tranche gueule crépitant, genre. Allez, vas-y. Une fois le truc râle d'agonie avec toxicité. Ah, là. Grave. Ah, c'est de la merde. Non, c'est carrément nul. Golaka. Golaka Panther. Hein. Ah, c'est horrible, quoi. Tu poses le 8-8. Tu peux survivre deux tours, ouais, mais il aurait fallu que t'arrives à avoir genre double tranche gueule, que tu dois attaque, furie des morts, un truc comme ça, quoi. Ouais. Pourquoi la télé était off? On a perdu internet. Lolo a perdu deux games sur des décos internet aujourd'hui. Il est très content, ça se voit, regardez, il sourit. On serait top 10 légendes si on n'avait pas perdu le top 1 même. Non, mais non, parce mais que, je suis pas trop. On a raté une heure de jeu en plus, quoi. On a raté une heure de jeu, effectivement. Ouais, top 1, je pense pas. Parce qu'on était top 33, ouais. on a été déco, et ensuite là, top 34, encore la déco qui me coûte 2 tours. Bon, bon, du coup, il faut que tu récupères la toxicité, partout, là. Ouais. Non, pas toxicité partout et Gastéropode plus toxicité. Gastéropode sous le souris. Putain, tu peux avoir la charge, mais bon. Oh là là, franchement, si tu pouvais survivre sur ce tour. Ouais, si je tenais, j'avais gagné, quoi. Ouais, tu faisais juste, gagné. C'est vraiment les deux tours de déco qui ont fait trop mal là. C'est fini. Aïe. On va passer, je suis désolé les potes. Ah non, ça. J'avoue que là les. Ah bah tiens. Bon, on a même pas le rang du coup. Super. J'arrive, je check s'ils ont réussi à avoir trouvé le problème. J'arrive. Je vais me reco, on va regarder le rang. Mais je suis pas chaud pour lancer là, ça fait deux games quand même. À ce rang, légende, ça pardonne pas parce qu'en fait, les victoires te ramènent moins de rang que les défaites. En fait, tu perds plus de rang en perdant que tu n'en gagnes en gagnant. Donc, même en supposant que là on fasse full win, depuis tout à l'heure on fait que de gagner. En fait, à chaque déco, on perd plus de rang que ce qu'on gagne. Par exemple, j'étais 33, je suis passé 40, j'étais 37. J'ai gagné, je suis passé 33. Ensuite, j'ai perdu à 33 à cause de la déco, je suis passé 42. Alors que j'avais commencé 37. Ensuite, j'ai re-été déco, et là je suis 43, tu vois. Donc, petit à petit, tu perds plus de plus en plus. Donc, c'est pas très intéressant, je vous avoue, je suis un peu sceptique à l'idée de relancer là. Je suis un petit peu sceptique, je sais pas, peut-être je me fais une petite dernière, mais j'ai l'impression qu'on est un peu maudit là. Jamais 203, ah bah c'est à 3 décos là, j'en peux plus. On fait quoi, on se relance une partie? Est-ce qu'on se relance une partie, les gars? Vas-y, j'ai envie de vous faire plaisir. Vas-y, je me relance une partie. J'ai envie de...